Avant, les problèmes que j'ai traversés, c'est les problèmes d'ordre financier. Quand je suis arrivé, je vivais à découvert. Et puis, ces problèmes ont entraîné d'autres vices. Le mensonge, l'adultère. J'étais beaucoup sournois. Je faisais les choses selon ma volonté, quoi. Donc, c'est ce qui a fait que vraiment j'étais dans le désordre total parce que ma vie n'était pas stable. C'est vrai que j'étais marié et comme je vivais dans le mensonge, donc c'est ça qui a provoqué le divorce avec ma femme. Elle aussi, elle a fait des choses selon sa volonté, quoi. Donc, ce qui fait que c'était chacun pour soi dans la maison. Donc on ne s'entendait pas, il y avait toujours des disputes et des querelles. J'ai connu le centre d'accueil de bouche à bouche. Le premier jour quand je suis arrivé, j'étais là, c'était un jour de délivrance. C'est vrai que avant que je connaisse le centre d'accueil, on faisait des prières, mais avec des groupuscules, on allait pour prier seulement, mais vraiment, c'était pas beaucoup dans la pratique, quoi. Mais là, après, quand j'ai rejoint le centre d'accueil, là, j'ai compris que c'était vraiment sérieux. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours participé. À des chaînes de prière, aux propos, à des campagnes d'Israël. Donc, je suis toujours dans ces propos-là. Comme je vivais des crédits, je vivais des découvertes, donc Dieu a fait que, à ce que, mes dettes soient effacées de 53%. Je ne raisonne plus comme avant. Là, vraiment, ça a changé complètement. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis une personne autre. Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai complètement changé. Ma vie d'avant n'est plus la même. Là, c'est une nouvelle vie que j'ai entamée depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit.